Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Les Seychelles, et plus particulièrement l'île Silhouette, qui est un vrai paradis sur Terre, à faire, si on veut se dépayser. Faut aimer le contact client, être très dans le relationnel et à l'écoute des clients. Le partage, parce que tout ce que tu apprends, tu le partages aussi avec l'équipe, donc et vice versa, donc on partage beaucoup. Préparer, je sais pas faire, je suis pas forte en impro, non, préparer. Très petite dose, je suis pas très sport, à part la danse, sinon il n'y a rien. La Grèce, j'aimerais bien y aller là. Puff Daddy, I will be missing you. J'aime beaucoup, je peux l'écouter en boucle autant de fois que tu veux. Crois en toi, vas-y, fonce. Retrouver avec mes amis, ma famille autour d'un bon verre. De vin. Ah, la patience. Oui, j'en ai un, qui est avec Will Smith. C'est À la recherche du bonheur. Je le trouve exceptionnel. Un bon verre de Porto tonique avec une planche de fromage. Rien de mieux. Rosa Parks, si je ne me trompe pas, son courage et sa force de voilà, pas se laisser faire, je trouve que ouais, c'est inspirant. En priorité, mon mari, mes deux filles et ma famille, tout le monde de joie, je ne peux pas vivre sans eux. D'être curieuse, de ne pas hésiter à aller voir tout le monde, savoir comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ouais, faut être curieux. Criquer la nuit, j'aime beaucoup. En ce moment, j'aime beaucoup écouter un groupe, mais qui n'est pas du tout connu en France, qui s'appelle Kalema. Et leur chanson « T'es à mot », je l'ai souvent dans la tête. Donc c'est un mélange en fait que j'aime bien, c'est les îles de Saint-Thomé, avec un mélange de langue portugaise, et c'est juste extraordinaire. Donc oui, je l'ai souvent dans la tête. Apprendre. Donc donner aux autres. Les deux cultures se ressemblent. Mais après, il y a ce côté fête et famille qui est vachement présent au Portugal. C'est, moi, je suis très famille par rapport à ça, quoi. Donc, puis le soleil toute l'année. Lisbonne. Ou, franchement, plus j'y pense, à la vallée du Douro. La vallée du Douro, la spécialité, c'est tu vois tous les grands vignobles. Donc, qui créent leur vin, que ce soit le vin de Porto ou le vin rouge. Okay. Et en fait, quand tu vas là-bas, tu fais toutes les caves à vin. Donc, je ne te raconte pas dans quel état tu es après, mais tu goûtes le vin. Et il y règne un silence et c'est vachement ressourçant.